Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime et aujourd'hui c'est une vidéo Un jour, un accord. Aujourd'hui l'accord que je vais vous montrer c'est celui-ci. Dans cette position ou dans cette position. Alors c'est un accord avec une saveur toute particulière. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un accord majeur 7 avec une quinte augmentée. On va partir de notre accord majeur 7 basique dans cette position. J'ai ma fondamentale, ici j'ai la quinte, la septième majeure et la tierce majeure. Donc ici je veux transformer la quinte, je veux l'augmenter d'un demi-ton. Donc à la place d'avoir un sol, on va avoir un sol dièse. Donc pour ceci, ici j'ai mon sol, je vais l'augmenter d'un demi-ton et obtenir cette position. Autre position, je pars de cet accord-là de septième majeur. Mon sol est sur mon deuxième doigt, je veux donc l'augmenter d'un demi-ton et je vais obtenir donc cette position. Alors vous pouvez le jouer comme ceci, vous pouvez le jouer en barré aussi avec le petit doigt comme ça, bref, peu importe, à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Une autre façon de concevoir cet accord, c'est d'imaginer qu'on a ici une triade de Mi majeur, hein, on a bien le Si, Mi et Sol dièse, donc on a cette triade de Mi majeur sur une basse en Do. Alors comment j'utilise cet accord? Et bien cet accord vous pouvez l'utiliser pour justement transformer un petit peu la couleur de votre accord basique de septième majeur. Par exemple dans un 2-5-1, là-dessus. Et une fois que vous arrivez sur votre accord majeur 7, et ben vous pouvez un petit peu le tordre en augmentant la quinte. Une très belle utilisation de cet accord est faite dans la composition de Wayne Shorter, Iris, qu'il avait composé pour Miles Davis et qui figure dans l'album ESP. Ici, on a un très beau passage dans la mélodie et dans l'harmonie où on va utiliser cet accord. Cette fois-ci, ce ne sera pas un accord sur Do, mais qui sera sur La bémol, donc La bémol majeur 7, dièse 5, cet accord-là. Alors juste avant, harmoniquement, on est sur... Je donne les deux accords précédents, vous irez écouter la composition, elle est vraiment magnifique. Donc on a un accord de Si bémol 7, quinte augmentée. Ensuite on a un accord de Ré bémol 7, dièse 11. Et on vient sur cet accord de La bémol majeur 7, dièse 5. Et au niveau de la mélodie, justement, la mélodie va atterrir sur cette quinte augmentée, sur, ici, c'est un Mi. Voilà, donc juste avant à la mélodie, on a ceci, on va, la mélodie nous amène vers cette quinte augmentée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour découvrir ensemble un nouvel accord.